Orthus Focus. Pour ce qui est de la nutrition, donc, c'est des patients qui sont en obésité. Au travers de l'atelier jardinage, c'est à la fois pouvoir partager un moment agréable avec les autres, pouvoir être au sein de l'hôpital, dans le jardin, se montrer, parce que c'est quelque chose qui est difficile pour eux, faire de l'activité physique, parce que je sais que Anne, la responsable des espaces verts, avait fait un petit parcours santé, à la fois pour faire de l'activité physique et à la fois pour découvrir ce bel espace qu'on a. J'essaie de leur parler saisonnalité. Les fruits et légumes, on peut aller constater sur place que voilà, c'est l'époque des fraises, c'est l'époque des tomates. Les aromatiques, j'essaye aussi beaucoup de... Donc quand on est dans le potager, que chacun puisse sentir, goûter les aromatiques. Du coup, chacun peut un peu évoquer avec quoi ils peuvent l'utiliser en cuisine, dans les sauces de salade, etc. Donc ça permet aussi des échanges comme ça, de donner des idées à chacun, à moi aussi. Et en même temps, c'est aussi des patients qui peuvent aimer jardiner et qui savent pas comment faire. Donc ce moment-là leur permet d'échanger sur leurs connaissances et leurs astuces. Ça peut avoir un rôle sur l'éducation à la nutrition parce qu'on y découvre des herbes, des aromates qui permettent de compléter des plats qui peuvent avoir un goût beaucoup plus agréable dès qu'on y incorpore un peu des condiments et des aromates. Et pourquoi pas, pour les patients qui peuvent le faire, avoir un petit jardin à la maison. Et c'est tout de suite plus agréable de se préparer un plat avec ses produits à soi qu'avec des tomates du supermarché. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances sur justement tout ce qui est aromates pour pouvoir agrémenter. Ils sont beaucoup dans les plats préparés. Donc là, c'est un moyen aussi de leur apprendre à faire par eux-mêmes. Et on peut trouver beaucoup de choses dans un jardin ou on peut trouver beaucoup de choses dans un supermarché qu'ils ne connaissaient pas et au travers de tout ça, ils vont découvrir des goûts, des saveurs. L'atelier cuisine est animé par une diététicienne. Les patients, la veille, choisissent un menu avec quelques règles. Les aliments viennent de la cuisine et peuvent venir aussi du jardin pour certains aromates et certains fruits, certains légumes. Et donc chaque semaine, ils descendent dans le potager pour cueillir chou rave, oseille, etc. Et ils composent une partie de leur menu en fonction de ce qu'ils auront trouvé dans le potager de l'hôpital. Et les patients cuisinent et mangent avec deux soignants le repas conceptualisé par eux-mêmes. Je trouve que c'est un très bon apport d'avoir ce qu'on peut avoir à la maison, à l'hôpital. Parce que ce qui est difficile pour nos patients, c'est de leur donner quelques astuces et d'être dans un espèce de cocon pendant 15 jours et de repartir à domicile et de se dire mais comment je vais faire. Et en fait là, on travaille avec des outils sur place qu'ils pourront retrouver à la maison.